selon moi maintenant, le hero qui peut sauver le tout. Notre Fugu national. L'autre match-up de Winner Semis. Pitch Melpix, ça va jouer Cross Tree. Alright. Marx qui est up and coming, Montréal, on pourrait dire. Nice. Ok. Wow. C'est-à-dire questionable near instead of back air pour le remettre offstage, mais Fugu c'est un god puis le laser reset across the stage into the kill. T'as raison, Sinet, de rejouer Bowser. Parce que, t'sais, Bowser, c'est broken. Bowser en 2018. Feels bad. Ooh. Back throw. C'est Coco. Please don't call me that. Okay. Evens up the game. What are you doing? What are you doing? What are you doing? It wasn't there? Okay, fuck it. Le coco. Alright. China shield. Should be dead here. Yep. Mario. I can't Melaf come back. That's what we want to see. Ooh. Fugu is moving fresh right now. Nice. Got him. Down here. He's dead. That's it. Fugu is moving with an anger. Avenge ces boys de Québec. Alright, nice. C'est light shield. Nice. Le Cassiel Pep, yes. Most brain dead player in Québec. Also the best one. He's dead. Convincing 3 stock quand même. Damn. No fighting in the chat, guys. It's okay. Sad react. Oh, he got him. Is that the grand papa boo? Did I fuck it up again? Thanks Mila for updating the score while I'm clearly not paying any attention to this game. Yes. But you don't play Luigi anymore, so I'm sad. Alright, nice little shine. Bread and butter edge guard. You do now? Thought you stopped. Nice spacing the F smash. Whoa! I will disregard that comment in the chat. Nope. Oh wow, what an up air! Got him. Uh oh. Fanboy. The fanboy is in the place. Okay, je suis un fanboy des deux joueurs. Back. Je vais juste faire. Ah! Mon joueur préféré numéro 1 a fait ça. Mon joueur préféré numéro 2 a fait ça. Tabarnak! C'est vraiment mon joueur préféré. Okay, un style particulier de commentary pour les gens qui l'ont jamais entendu.
C'est basically crier le plus fort qu'il peut. Alright, nice, nice. Je l'ai trop fait, fait que là ça sort plus vraiment. Mais c'est correct. Ça va mettre un peu de hype parce que je suis un petit peu fatigué. J'ai hâte de voir, ils vont mettre où sur le PR de Montréal parce qu'ils jouent crissement bien. C'est le genre. C'est la première fois que j'affronte un Falcon. Nice air dodge. C'est la première... Je sais pas comment il a fait, mais il a écouté Cinet qui lui a parlé dans le chat. I don't know how. Mais c'est quoi qu'il a écouté de Cinet? Il a dit Callis, Morx, air dodge. That's exactly what he did. Ok. Mais Morx, c'est le premier Falcon que j'affronte qui fait des fucking sick mini fast-fall dans son hobby pour éviter des moves. Il va faire genre un fast-fall de 2 frames pour genre passer à travers ta move. J'avais jamais vu personne d'autre faire ça. Mais Fugu, il vient de Québec, so. Who cares? Ouais, mais Fugu, c'est un fucking gars. Oh my god. Down do it again! He wanted. Le faire. Je il voulait, man. Tant qu'elle allait le faire encore, même si t'as pas connect, c'est parfait. Il le voulait. Okay, dans la pro update. Vas-y. Il est quand même en train de se faire fendre, par contre, to be honest. De se faire quoi? De se faire fendre. Big Fish Rudo, ça joue. Ça va jouer en stream, fini? Ça, I guess? Damn! Rest in peace. Salut, man! Rest in peace, Weedy pourra pas nourrir son chat. Rest in peace, man. C'est un terrible meme. C'est un excellent meme. Non. Got him. J'arrive pas à croire que des socialistes fassent des blagues de même. Je suis pas un socialiste. Non, mais elle vient d'Arpin. C'est un bon meme. Un gros tech chase. C'est un gros tech chase de 15%. C'est drôle la pauvreté. Weedy, as-tu tiré sa manette? Sadly, no. Weedy, il rage pas en tout. Il y a du monde qui rage en tabarnak ici, mais pas Weedy. Moi, je suis pas d'accord. Tantôt, il y a eu le best rager. C'était pas Malaf. I disagree strongly. Je pense qu'on l'a pas mis parce que. Ben, il est pas là, puis ce serait comme le bâcher dans son dos. Salut, Malaf. Ok. Morx s'en veut énormément. Il s'est mordu le point. Ouais, non, ça me fait un petit peu peur. Vrai, je lui demanderais peut-être de chill, genre l'automutilation. Ouais, je pense que. Je sais pas si c'est légal. Genre, est-ce qu'ils font. On est-tu en train de faire la promotion de se manger les morts? Tu fais un ban sur Twitch, to be honest. Ouais. Alright. It seems to be working. It's ben, working. Écoute, je me suis dit, c'est peut-être comme ça qu'on get good. Genre, dès que tu fais une erreur, tu t'arraches un doigt. Tu frappes. Obviously, je me suis pas pété le pouce assez fort. Mais tu l'as pas fait dans le jeu en melee, c'est ça la différence. Mais peut-être que dans le fond, tu vas get good au soccer grâce à ça. Ouais, peut-être, parce que je me suis pété le pouce. T'as-tu checké la différence? Non, je suis pas joué au soccer. Ok. Mais tu verras. Peut-être que ça fonctionne. J'appelle ça la méthode Opus Dei après la secte catholique des gens qui se mutilent. Opus Dei. Opus Dei. Ok, alright. J'ai entendu parler de ça dans. dans National Geographic, right? Non. C'est pas dans. Dans un, right, got un film. Got him. Pas vraiment important. On retourne au match. Ça peut être la dernière partie de ce sec. Plus je compte avec toi, plus je me rends compte qu'on dirait que ton brain il fait des bulles, puis là il est comme. Hey, je me souviens de l'épisode de National Geographic où genre. Non, c'était un. C'est pas National Geographic, come on! Arrête d'être honnête intellectuellement. Ce dare-là était très honnête intellectuellement, je dirais. Ah oui, je l'ai déjà vu dans National Geographic, Falco, des oiseaux qui font des bears, des dares comme ça. Ouais. Pour nourrir leurs enfants. Ouais, c'est ça. Bam! Dunked in the mouth. L'oiseau, bam! Il ouvre la bouche, puis là, la maman fait. Wow! Vous avez pas vu ce qui s'est passé. Va jouer sur le stream, toi. Ah, d'accord.